À quelques jours de la conférence de l'ONU sur le climat à laquelle il doit se rendre, le Premier ministre australien a soigné son annonce. L'Australie, l'un des plus gros pollueurs de la planète, très critiqué pour ses mines de charbon, promet un plan zéro émission carbone d'ici 2050. Our plan is a fair plan. Notre plan est un plan équitable, pratique et responsable, a martelé Scott Morrison. Notre plan pour un taux net zéro d'ici 2050 est le plan que les Australiens veulent, je crois, car il est juste. Il a été élaboré avec soin. Une avancée considérable pour le plus grand exportateur mondial de charbon qui a longtemps résisté à l'adoption d'un plan de neutralité carbone. Le Premier ministre conservateur a toutefois assuré que les mines resteraient ouvertes et a refusé de renforcer les objectifs de réduction des émissions pour 2030, des objectifs cruciaux pour lutter contre le changement climatique.